Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Bonsoir, François Hollande. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez à la tête de l'État quand la France a été ciblée par la pire vague d'attentats qu'elle n'avait jamais connue. C'était la fameuse année 2015. Charlie Hebdo, l'hypercacher, les attentats du 13 novembre, dont le Bataclan. Vous avez l'impression que ces derniers jours, la France est à nouveau la cible, qu'on va rentrer dans un nouveau cycle de terreur, d'horreur, de violence? Aucune vague terroriste ne ressemble à la précédente. Celle que j'ai eu à assumer comme président de la République, c'était une action terroriste menée par un groupe, Daesh, de l'extérieur avec des complicités intérieures, et qui frappait la France parce que nous étions nous-mêmes engagés dans un combat contre le terrorisme international, qui nous frappait pour nos valeurs, pour nos modes de vie, et qui avait donc d'abord touché Charlie, sa rédaction, l'hypercachère, puis ensuite les terrasses, le Bataclan, le Stade de France. Ensuite, il y a eu d'autres attentats menés par des individus qui avaient été radicalisés dans un temps court et qui avaient pu, par exemple, hélas, assassiner un prêtre dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray ou utiliser un camion sur la promenade des Anglais à Nice. Là, nous sommes dans cette manière de faire. Le groupe Daesh a été pour partie, je dis bien pour partie, parce que nous aurons sans doute des résurgences, a été pour partie éradiqué, parce que nous avons agi dans ce sens, et n'est plus en capacité, pas plus qu'aucun autre groupe, de mener ou de faire mener des actions ici sur notre sol. En revanche, des individus rapidement ou depuis longtemps radicalisés qui assassine un enseignant, Dominique Bernard, ou en Belgique, à Bruxelles, vont s'en prendre à deux Suédois parce qu'ils sont Suédois et parce qu'en Suède, il y a eu des actions pour brûler un Coran. Eh bien là, on voit bien que c'est non pas une organisation, c'est une ambiance. Et cette ambiance-là, ces circonstances-là peuvent effectivement reproduire Mais des actes terroristes. Quel sentiment vous traverse quand on entend les Français partout, partout, ces 15 derniers jours? C'est de nouveau l'angoisse qui pèse, c'est la peur qui pèse, encore plus parce que l'école a été visée. Quels sont les sentiments qui vous traversent, vous? Et qu'est-ce que vous dites aux Français qui ont peur, tout simplement? Ben moi, je reconnais la peur. L'erreur dans la vie publique comme dans la vie personnelle, c'est de nier la peur. Il y a des raisons d'être inquiet et d'avoir peur. Et si j'étais là en disant, écoutez, n'ayez pas peur, comme d'autres l'avaient un moment énoncé. – Vous n'êtes pas encore pape, Pas encore, je ne suis pas encore candidat à cette responsabilité. Mais si j'étais dans cette démarche, beaucoup diraient, mais finalement, vous niez l'évidence. – Donc, il y a d'avoir peur. – Mais là, vous dites quoi, Français? Vous dites qu'il va falloir s'habituer. – Mais ça fait combien d'années qu'il y a des actes terroristes ?– Il y avait, Hugo Micheron parle de vagues. Il dit que depuis 30 ans, le djihadisme, au fond, donc, c'est des vagues de marée haute et de marée basse. Donc, va-t-il vous expliquer ça? Est-ce qu'on est de nouveau vers une marée haute ?– Non, on n'y est pas encore. C'est-à-dire, et c'est là-dessus, je rejoins les propos qui viennent d'être évoqués par François Hollande. C'est-à-dire qu'en fait, on est avant, il ne faut pas s'emballer. Maintenant, si on regarde ce que les démocraties européennes ont opposé à ces vagues qui donc jalonnent l'histoire de l'Europe depuis 30 ans, Et je pense que aussi un bon moyen de régler ses comptes avec la peur, c'est aussi de comprendre et pas de mettre le sujet à distance. C'est l'étape essentielle. Et de nommer. Et pour ça, il faut aussi se saisir des outils. Et depuis 30 ans, ce qu'on fait, c'est que quand il y a des pics terroristes, on a tendance à être dans la colère. Et dès que ça reflue, on essaye d'oublier. Alors que c'est l'inverse qu'on devrait faire. On doit être dans la résilience pendant les périodes d'attentats, ce que la France a très bien fait dans la période 2014, 2016, 2017. On a été très résilients. Mais quand Daesh redescend, là, il faut passer à l'action. François Hollande. Depuis 30 ans, nous vivons avec du terrorisme. Si vous avez la mémoire de ce qu'avaient été les attentats de 1995 dans le métro, c'était des attentats qui avaient été, là aussi, perpétrés par des Français. Mais dans une circonstance qui était ce qui se passait en Algérie notamment. Donc cette vague-là a été finalement dominée et après on est rentré dans d'autres vagues, quelquefois plus limitées, et d'autres liées à ce qui se passait en Irak ou en Syrie. Donc si je veux résumer, pour qu'il y ait hélas du terrorisme, il faut deux conditions. Il faut d'abord qu'il y ait des individus prêts à commettre des actes terroristes, donc des individus radicalisés et voulant mourir pour cette cause-là qui est de nous frapper directement.
Et il y a une deuxième condition. On les a. Je ne voudrais pas exacerber les peurs, François. Il y a une deuxième condition, c'est qu'il y ait des événements internationaux qui peuvent donner. On y est. Oui, on y est. Sauf que, bien sûr qu'on y est. Donc, on est dans les deux conditions. Donc, nous sommes dans les deux conditions. Donc, il faut vivre avec cette réalité, ne pas créer un phénomène de panique qui ne servirait à rien. Mais il faut s'habituer, c'est ça ? Non, pas s'habituer non plus, parce que ça voudrait dire que finalement, on accepterait l'idée de la mort et d'être frappé. Donc, il faut prendre des dispositions, vigilance, fermeté, lutte contre la radicalisation. Mais il convient aussi de regarder le phénomène pour ce qu'il est, c'est-à-dire des individus qui sont présents sur notre territoire ou qui viennent de l'extérieur. En revanche, là, c'est intéressant sur ce qui s'est passé, hélas, à Arras et ce qui s'est passé à Bruxelles. Dans ce qu'a dit et ce qu'a écrit le terroriste islamiste qui a Arras a tué Dominique Bernard, il n'a pas évoqué à un seul moment la résistance palestinienne ou le conflit du Proche-Orient. Il était dans la haine de la France. – Dans la haine de l'école. – Dans l'école, dans la haine de ce qu'on lui avait appris, alors même qu'il avait été plutôt un élève convenable, en tout cas il n'avait pas été remarqué pour ses mauvais résultats, il avait été peut-être remarqué, hélas, pour son comportement.